Et là, on ne dira pas, c'est les leaders politiques. Ah oui. Ah oui. Si les Guinéens sont fâchés ce soir, les Conakrika, c'est qu'ils étaient habitués à l'électricité. Ah oui. Plusieurs quartiers de Conakry, dans les rues ce soir, manquent de courant. Même Sangaridi, on dit qu'il n'y a pas d'essence, il n'y a pas d'électricité. Kindia, tout le monde a vu. Je vous ai dit, le temps est le meilleur allié de la vérité. Ça tire à balle dans certains quartiers. Mamadi, je t'avais prévenu Doumbouya. Là, il m'a dit, on t'avait prévenu ici. On ne joue pas avec le pouvoir. Le pouvoir, ça demande un savoir-faire. Un savoir-faire. Maintenant, vous pensez que non, c'est le commandement. Mamadi, ils ont tout dit ici sur le président Fakonde. Le 5 septembre, colis, d'après toi-même. Vous avez tout dit. Je t'ai dit, Mamadi. Il dit là-bas à Djoumana. Voilà. On dit un jeune vient d'être tué à Lambayi. Ça dit, c'est tous les quartiers de Conakry. Ils ont compris. Je vous ai dit, peuple de Guinée. Tant que vous n'allez pas décider pour dire Doumbouya doit partir, même si le président Fakonde ne vient pas, hein? Mais c'est le bandit là qui doit partir. Parce que d'autres, ils sont tellement remplis de haine. Pour eux, leur problème, c'est le président Fakonde. Même la vérité est devant eux, ils ne veulent pas dire. Mais je vous avais dit, j'ai dit, on ne peut pas comparer les deux régimes. Jamais. Ceux-là, c'est des bandits, ils ont fait le coup d'État pour sauver leur tête. Parce qu'ils étaient déjà avertis que le président Fakonde allait les arrêter dans l'affaire de drogue. C'est narco. Peuple de Guinée, vous avez compris maintenant. Vous avez vu plusieurs quartiers de Conakry. Les gens ont compris. On dure dans ça, c'est fini. On dure dans ça, c'est fini pour la Guinée. Ils ne vont rien apporter. 2 ans, les caisses étaient pleines. Les caisses étaient remplies. Les bandits ont tout dilapidé. Ils ont tout vidé. Même les fonctionnaires. Otambe dit bandit, non, ma projet de rabade. N'a fouillanté, n'a rien, Mamadi. Autant fouillanté, oh, voyant son nom. Avant le coup d'État, l'électricité, c'était comme ça dans le pays. Y a même fouillanté, Mamadi, dit bandit, non, ma misère. Oh, voyant son nom. Vous voyez la Guinée maintenant? Vous voyez tout le pays aujourd'hui. Dans quel état nous nous trouvons aujourd'hui. Mais pourtant, au départ, vous étiez là à gueuler. Voilà, Souma Kassori qui dit de Dixine Terrasse jusqu'à Lambayi. Attendez, je crois même que j'ai des images qu'on nous a envoyées. Ça dit, Diffébara Fala, ce n'est pas politique. Mais Redare Renarana, courant, dit Bandiefa, Enakunakana. Administration, Kaloum, le bateau était là-bas. Le temps de terminer, soit petit, les bandits Enafé fini Pagaira. Awa, Assomane, Odeji. Ça, ce n'est pas politique de. Ça, c'est pas l'astrodale. Ça, c'est pas Sidia. Bandit d'oro. Vous pensez que c'était de la pagaille. Vous avez cru que c'était de la pagaille. Maintenant, vous allez sentir. Tout Conakry actuellement. Regardez, ça, c'est à Kisoso, un transformateur. Vous avez vu Kisoso? Il y a un transformateur. Bon, d'après les gens, il y a un magasin qui a pris feu. Donc, le transformateur qui est juste à côté, ça a pris feu. Et plusieurs quartiers de Conakry, c'est chaud dans plusieurs quartiers. Dans plusieurs quartiers, on vous avait dit, les gars, ce groupe de bandits, ils ne peuvent rien apporter. Les Guinéens, ce que vous devez demander, tout simplement le départ des bandits, c'est tout. Point barre. Demandez le départ de Mamadi. Nana Fala Robert, Omar même. Vous devez demander le départ des bandits. Vous avez vu d'autres images de Conakry ce soir.
C'est-à-dire, c'est comme si tout Conakry, et ça, personne ne dira que non, c'est les politiques qu'on a appelés. Non. Moi, saint de Ramadan, il fait très chaud. Kouramouna, dit Bandiefa, et la Guinée a développement piétiné. Il y a même un des Dougoula, Kono Mamadi, autant Dougoula. C'est-à-dire, je me demande s'il y a des Guinéens qui réfléchissent. Au 21e siècle, Birin Katama, des intellectuels, puissent diriger leur pays. Mais autant, et en plus des bandits, une honte. Ah, président Alpha Condé, ah, Fama, ah, Dieu sait faire les choses. Ah, Alpha Condé, voici, des bandits, comme je l'ai toujours dit. Ils sont venus freiner le développement. Président Alpha Condé, 86 ans. 86 ans. Bata Mundu Moutan Poussema. Di Bandifa, Enara Yerabi, Bini Yaori, Ena Tongo, Ena Finit, Ena Trofera. Wallahi, Alamoudiyama, Di Borima. Mamadi, je t'avais dit, tu n'as rien vu d'abord. Wallahi, ça c'est petit d'abord, Mamadi. Mamadi, j'ai dit, ça dit, Kabale Tato qui ben, il se ritole comme un voleur. Ce que tu as fait au président, Amakorobo, c'est ceux qui sont intelligents qui comprennent. Je ne dis pas des Dougouladés. Ceux qui sont intelligents. D'enfanté. Tu ne dépasses en aucun cas le président Fakonde. Je l'avais dit. J'ai dit même au Chevy, tu n'arriveras pas. Le résultat est devant tout le monde. 2 ans. La Guinée aujourd'hui. Vous avez tout délapidé. Tout délapidé. Bandits te faussement, ils sont en train de construire. Ils ont fait sortir leur famille. Ils ont fait sortir leur famille parce qu'ils savent que ça va péter. Tous ces gens-là. Et Moussa Moïse, sa famille est où? Bala Samoura, Idi Amin. Tous les membres de ce gouvernement-là. Bachir. Toute leur famille est à l'étranger. Maintenant, c'est pour dilapider nos biens maintenant. En tout cas, j'ai dit merci et chapeau à tous ces intellectuels qui ont refusé d'être membres de ce gouvernement. Tous les intellectuels. Conscient. Le pays est là aujourd'hui. Aucun changement. On met les gens à la retraite. On enlève Julien Yombuno. Après avoir pris les 100 000 des candidats. Combien de personnes ont donné 100 000 Je vous avais dit le recours. Ah, la Guinée. Damaro, je vous avais prévenu. Je vous avais dit ici, j'ai dit, c'est du tape à l'œil pour bouffer votre argent. Ils ont recruté qui? Ils ont pris qui? Les fonctionnaires qui sont là, ils sont incapables de les payer. Ils vont payer qui? Les enseignants contractuels. Je vous avais dit quoi? Pourtant, je vous avais dit, mais il faut réfléchir un peu seulement. Les fonctionnaires de l'État, les bandits sont incapables de les payer. C'est d'autres qui vont prendre pour payer. Je vous avais dit, ah ça c'est du tape à l'œil. C'est pour dire, voilà, on est prêt. Hé, ils ne peuvent pas. Et mon homme. D'abord, les factures qui sont là, on ne sait même pas quand on va payer. Près de 2 milliards de dollars de dettes auprès des banques privées. J'ai dit 2 milliards de dollars. 2 milliards de dettes. Ça dit chaque fin du mois, ce n'est plus l'État qui paye, c'est les banques privées. Tout est bloqué. Les bandits sont venus tout dilapider. Ne serait-ce que l'année 2022. Ils ont dilapidé plus de 1 milliard 800 millions. L'argent est monté, c'est descendu, on ne sait même pas. Allez-y demander l'inspecteur de l'État. Ça dit qu'à Koumfi, nous t'akana blamo, djamana kuna, ko djamana okata ehre soro la. Koumfi, bansan. Vision tan, la fouille, l'arrogance des bandits, son baba bansan. Regardez, les nominations par affinité. Au lieu de prendre des responsables, des gens capables d'aider, au lieu de mettre le mérite devant, hein? Bon. Maintenant, ah, Dieu merci. Le Fama est honoré. Allez, le Fama, maintenant. Mais il est honoré aujourd'hui. Les bandits, les tombeurs du président Alpha Condé. Ah! Non, Dieu sait faire les choses. On vous a dit. Ça dit, comme l'a dit Makanera, il dit, donnons du temps au temps. Tout ce qu'on va dire au départ, là, on va nous insulter, on va tout dire. C'est le président Alpha Condé qu'on a pris comme drapeau. Promener à Conakry, partout dans les... Oh non, non, non! Changement! Hey! Allah, on vous avait dit. Vous avez applaudi pour rien. Vous avez applaudi pour votre malheur. Celui dont vous avez traité
de mauvaises personnes. J'ai dit, c'est lui, vous allez dire, ah, si on savait, lui, il était mieux. C'est devant tout le monde. Devant tout le monde. Les opérateurs économiques du pays aujourd'hui, tout le monde pleure. Les opérateurs économiques, tout. C'est-à-dire, il n'y a aucun secteur aujourd'hui en Guinée. Tu vas dire, non, ça va, l'âme de lui, là, il n'y en a pas. Et Maya Kolo, c'est des vauriens. C'est ce que je vous dis, c'est des vauriens. Et des gens qui n'ont rien dans la tête, n'étant pas fait, ceux-là vont venir s'arrêter devant nous. Quand ils vont nous apprendre quoi? Comment des vauriens vont nous en prendre quelque chose? Comment des vauriens vont nous guider? Comment ces vauriens-là vont nous guider? Et c'est ce que cette jeunesse paresseuse, ces feignants de jeunes, Kongaï et Kodumbuya va faire quelque chose. Flanquez-vous tous ces projets, tous les grands projets. La route nationale, ils ont fait quoi? C'est Alpha Condé. Les barrages en cours qui ne peuvent même pas terminer, c'est présent Alpha Condé. Vous, vous êtes là-bas. Ngaïoko, ces vauriens sont en train de travailler. Vous pensez que les chargeurs de Bambeto, le truc là, ces bandits-là, tous les projets qu'eux-mêmes, ils ont commencé, aérodrome, tout est aux arrêts. Parce que là, Simouna, Banque Centrale ne peut même pas payer les fonctionnaires. C'est des projets de développement, ils vont payer. Ils vont financer. Les institutions, personne ne va venir donner quoi que ce soit. Même Paul Kagame qui est militaire. Le bandit s'est déplacé, aller chez Paul Kagame. Vous pensez que Paul Kagame est bête pour donner de l'argent à la Guinée? Vous pensez que la FMI, les institutions, ils vont donner de l'argent à la Guinée? Il n'y a même pas un climat de confiance. Regardez au temps des Dalis. Les institutions là, donnaient de l'argent parce qu'il y avait un climat de confiance. Jean-Marie Doré, père à son âme, était le premier ministre du gouvernement. Et là, les partis politiques ont décidé ensemble de choisir tonton Jean-Marie Doré. Donc, il y avait un climat de confiance. Les partenaires pouvaient aider la Guinée. Vous pensez qu'actuellement, il y a un climat de confiance? Regardez le gouvernement. C'est ceux qui les ont supportés, qui ne représentent absolument rien, qui ne sont même pas connus. Les Baouri, les Faya Bruno et Bogola Abba, tous ces gens-là. Non, mais c'est incroyable. Non, ne répondez pas à ce Naloma là. Il est déjà banni sur ma page. En cas fond, moi, l'union, moi, Falane Birimbe, Mungé Baratoro, nos mamans aujourd'hui, nos mamans dans les marchés, hein, c'est ce qu'elles disent que, ah, Alpha Condé attend, Moumouni dit colon. C'est ce que nos mamans disent, que le temps de Alpha Condé, ceux qui sont en train de vivre, regardez, nous avons connu Ebola. Ebola, nos frontières fermées. Mais grâce aux relations, aux contacts, je vous dis, ce n'est pas être gros, grand, comme des bêtes qui sont à la tête du pays. Là. Il faut avoir la tête. Il faut avoir un carnet d'adresse. Il faut gérer le pays avec sagesse, pas avec arrogance des Amara, des Bala Samoura. On ne gère pas un pays avec arrogance, je vous avais dit depuis longtemps. Hein? Toi, Gongoré Guinée, là, j'ai pas encore vu ton commentaire. C'est ton père qui ne veut pas d'Alpha Condé ou bien c'est toi qui ne veux pas. Sinon, aujourd'hui, va sur la toile aujourd'hui. C'est pas, nous, on n'a pas besoin de parler de ça. Hein? On n'a pas besoin, Moura Alpha Condé Rafefala. Nous, présent Alpha Condé, Moumoukil, ma village Kérindé. Moi, je viens de Damaro. Il vient de Kouroussa. Je n'ai jamais été ministre. Je n'ai jamais été membre de son gouvernement. Si vous me voyez, je me bats nuit et jour pour l'honneur de ce monsieur parce que je sais, ceux qui ont fait le coup d'état à ce monsieur, c'était des bandits, des gangsters, des vauriens. Le monsieur a tout fait pour ce pays. Des vauriens ont pris les armes, venir mettre le pays en retard. Et depuis le 5 septembre, si des gens devaient se taire, nous, on devait se taire. Mais on a tout dit ici. Qu'est-ce qui a changé? Bande de vauriens sont à la tête du pays. Et mon nom, même s'ils veulent, ils n'ont qu'à changer le gouvernement 10 000 fois. Et mon nom. Et mon nom. Le pays est là. Nous, on parle. Nous, on critique. Mais où est le changement? Et Mbarafala, Obe, et mon nom. Ce que vous devez mettre en tête, Mamadi Tokarnara, Amogarangoto, Amogarangatina, relation Yomai. Celle-ci, il ne compte que sur les forces spéciales. Manifestation, Arafenyar Yorab, Fenyar Rababore. Et Docteur Kassori. Voilà. Tous les, ça dit grand projet Birin, la Guinée, pour que la Guinée a respiré.
investisseur Bilibili Rafa, Dr Kassori, Guy Bandi Rane Sougo, Ene Sageli, toutes ces personnes, on les met en prison, on est assis sur le mensonge. Itaya Takolodie Moussese Kolo. C'est vouriers à la traite, les bonnes personnes, ceux qui peuvent aider le pays de voleurs. Moudor Naoule Fari, que Dieu va nous aider. Wallahi, Allah Moumou Malim. Allah Yati Moumou Malim, Naoule Fari. Nere Mouf, Noma Fatia Karande. Et en affaire, son mouroumma, ou les dare, à part se promener. Vous avez vu, Makoso est venu. Il faut voir les Amara et les Djiba. Des vagabonds comme ça. Des vagabonds comme ça. Ils ne peuvent pas aller à l'étranger. Je dis bien des vagabonds comme ça. Ils ne peuvent pas aller chercher des marchés à l'étranger. Des vagabonds. Quand Amara est venu ici, c'était venu, c'était de distribuer de l'argent dans les communautés. Atofa Amerikibé. Il a quelle relation? Il est venu distribuer de l'argent. C'est tout ce qu'il s'est fait. Parce que Doumbouya devait venir ici. Mais est-ce qu'il va aller à Abu Dhabi? Il va aller en Europe? Ou bien aux États-Unis ici? Dr Kassori, eux, leur carnet d'adresse s'est rempli à la FMI, Banque mondiale, Union européenne, les pays du Golfe. Voici des gens qui peuvent aller chercher des marchés. Hein? Mais si des vauriens sont là, on est en train de jouer avec nous-mêmes. On est en train de se mentir. Et Baouri sort que non, il n'y a pas d'élection. La Guinée-Ka, c'est-à-dire, ne vous levez pas. Hein. Ne vous levez pas, asseyez-vous toujours. Mouta, Kourana Nakigo, Amoukoube Mabé. Moumanouke, Moumoura Ototongo, Nsiga Ma Uberaba, Ma 300 dollars, Nata Soumane, par jour. Donc, à Dongweta, et la Guinée-Ka, Nanaki. Mamre, Anoukene, Narasambade, Nasamba. Voilà. Mais on veut que le pays là, c'est-à-dire, le développement qu'il y a en Côte d'Ivoire au Sénégal, nana mourogne. Mais c'est les hommes, c'est des intellectuels. C'est des vrais patriotes. C'est pas ceux qui prennent les armes qu'ils sont patriotes, des bandits, des gangsters, qu'ont des patriotes. C'est pas eux qui vont changer. Comment toute la capitale Conakry peut se lever comme ça? Parce qu'ils en ont marre maintenant. Abara Leibé, avant le coup d'état, le courant, moi j'étais là-bas en 2020. Le courant ne partait pas. Même dans les quartiers où le courant partait, c'était quelques minutes, même pas une heure. Le président Fakonde a fait venir le bateau turc et l'État guinéen payait 3 millions, je crois, 3 à 4 millions par mois. Ça ne dérangeait même pas le gouvernement guinéen. Les bandits sont venus, ils ont fait quelques mois, ils ont vidé la banque centrale. Ils étaient incapables de payer le bateau. Morikonde est sorti pour dire « Ah non, ça c'était des dépenses inutiles, c'est trop de dépenses. » Et Dougoulé, voici maintenant le résultat. C'est le même bateau encore. Ça dit, je me demande pourquoi ils ont enlevé le Fama. Vous avez enlevé le Fama. Vous avez mis 18 000 personnes, 18 500 personnes. C'est un aide. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Ça dit, vous n'avez pas honte. Omouya Guima, cette gestion-là, ça ne vous dit rien. Il n'y a pas de sanction de la CEDEAO. Parce que Doumbouya, c'est un Français. La France a influencé sur la CEDEAO. Le Mali sanctionné. Le Niger sanctionné. Le Burkina sanctionné. Mais la Guinée n'a pas été sanctionnée, tout simplement. Parce que la France est derrière vous. Mais malgré tout ça, nos frontières ne sont pas fermées. Rien. Parce qu'on a des incompétents à la tête du pays. Des arrogants à la tête du pays. Vous avez apporté quoi? Vous avez apporté quoi? Dites-nous. Les soi-disant supporters du CNRD, oh, refondation, régressement, nien. Régressement. C'est-à-dire, le peu qui était là, ils sont en train de tout gâter. On recule en arrière. Régressement. Au moins, le bébé a fini à Gira. Les agriculteurs, tout le monde pleure. Les agriculteurs, pas d'engrais. Pas d'engrais. Révolution verte. Et c'est pourquoi Nanyalé est parti. Woulé. Il avait le deuxième plus grand budget. Woulé. Nanyalé. Deuxième plus grand budget. Après la défense. Révolution verte. Les agriculteurs, ils n'ont pas d'engrais, rien du tout. Ni de tracteurs. Woulé Faré. Chaque année, le président Fakonde donnait presque l'engrais. Gratuitement. On est junior, encore fois, nous y en ayons. Il y a 2 ans, nous, on parlait ici, on nous insultait. Bon, quittez ici. Mais regardez maintenant. Tout le monde, les gens ont compris que non,
Amou Nomatina. Mamadi, si tu penses que les armes là, tu vas continuer à intimider les gens. C'est le procès des Dadis. Vous allez tous passer aussi comme ça. Ça dit, Dieu merci, vous-même, vous avez commencé ce procès là, du 28 septembre. Ça veut dire que vous n'effrayez aucun Guinéen. Vous voulez tuer les gens. Vous voulez faire tout ce que vous voulez. Mais à la longue, vous allez passer devant la justice guinéenne. Tout ce que vous allez, les actes que vous allez poser aujourd'hui, ça va vous rattraper demain. Hein? Non, mon frère Soumaïla, 2005 même, jusqu'en 2010, toujours, les torches Nokia, on appelait, les Maliens appelaient ça Conakry, tellement que non, il n'y avait pas le courant. Les torches Nokia, là, 1100. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne connaissent pas ça. Les torches, les Nokia 1100, il y avait torches là-dessus. À Bamako, quand ils veulent vendre, on disait, ah, il y a Conakry, parce qu'il n'y a pas courant à Conakry. Donc, c'est comme ça qu'on appelait. Le Fama vient, autant de barrages, qu'à l'État soit petit. Le projet interconnexion, il est l'initiateur. Et ça aussi, Zéré Corée, la forêt à l'électricité. Pour terminer les barrages, il fait venir le bateau turc. Pour ne pas que les Guinéens soient en manque d'électricité. Boké, Kolaboui, à chaque fois, il y avait un manque. On envoyait les groupes Kankan, les jeunes manifestent, on envoie des groupes juste pour calmer les gens. On dit non, le président Alpha Condé, c'est à dire à mon homme. Eh Dieu! Ah, c'est pourquoi je ne dis pas quelqu'un d'autre. Moi, Assou Dambo, wallah, je meurs pour le président Alpha Condé. Je suis mort dans un combat noble. Ça, je le dis à qui veut l'entendre. Parce qu'il était juste. Il voulait le bonheur de ce pays. Il ne le faisait pas avec de la démagogie. Il n'a pas enrichi sa famille. Il n'a pas acheté des jets privés pour lui. Il n'a pas acheté de grosses voitures pour lui. Ce n'est pas des habits de luxe. Ce n'est pas quelque chose de luxe que lui aimait. C'était la Guinée avant tout. Simple. Mais des bandits, des bambatoumani, des crocodiles. Les autres mangeaient, mais eux, ils avalent. Si les autres, on les traitait qu'au nom, ils ont volé. Eux, ils prenaient le temps de manger. Mais le groupe de Doumbouya, eux, ils avalent tout. Des bambatoumani, des crocodiles. Le pays est là aujourd'hui. Vous êtes paniqués. Bon, je crois que le peuple de Guinée, le mieux c'est de demander un mouvement d'ensemble. Demander. Je vous ai dit, il y a les militaires. Hein. Mais tant que le peuple n'agit pas, ces militaires ne vont pas agir. Ça, je vous dis, il y a des vrais hommes. Il y a les vrais hommes dans notre armée. Les vrais hommes. Quand ils sont venus, ils ont cru que non, désarmés, que non, c'est fini pour l'armée guinéenne. Je vous dis, si le peuple sort, même ceux qui sont derrière Doumbouya, ils vont dire, ah, Koro, nous, on ne va pas être des assassins. C'est-à-dire, ils ne vont pas continuer pour tuer les gens. Ils vont dire à un moment donné, non, tu dois partir. Et s'il ne veut pas écouter ses propres petits-là, ils vont les attacher là-bas. Parce que demain, eux, ils ne vont pas passer devant la justice comme les Marcel. Je vous ai dit, c'est les petits même de Doumbouya. Ils vont l'attacher ici comme un voleur. Parce que le peuple de Guinée ne va pas rester dans ça. Et vous venez enlever un gouvernement pour dire qu'ils n'ont rien fait. Mais les Guinéens, au moins, on peut dire, passable, ça allait bien. Et vous êtes venus, à part souffrance, misère. Nos prisons sont remplies aujourd'hui. Des gens arrêtés injustement. Même la journaliste dans l'affaire de Charles Wright. Ça dit comment Dieu peut aider les gens. Comment Dieu peut aider un pays? On attrape des innocents, que parce qu'on a la force, on met ces innocents en prison. El Sisi. Tout simplement, si vous voulez interdire les mouvements politiques, interdisez. Mais des gens qui réclament le président Alpha Condé, on prend El Sisi, on le met en prison. Cheikh Afan. Pareil, Cheikh Afan. Parce qu'ils demandent actuellement des soutiens. Des soutiens partout. Les directeurs et DAF, là, préparez-vous. Je vous dis une chose. Vous voulez rester avec eux, faites de la démagogie. Hein. Ceux qui sont timides, là, commencez à dire Doumbouya Itanambé. Sinon, tous vos postes sont menacés. Je vous ai dit, ces gens-là, ils n'ont aucune notion de la République.
aucune notion de la République. De la manière dont vous avez remplacé les bons directeurs, c'est comme ça qu'ils vont vous remplacer. Actuellement, il veut forcer la situation pour dire il n'y a pas d'élection. Lui-même, il va être candidat. Donc, tous ces directeurs-là, je vous dis, hein, préparez-vous. Ils vont vous enlever encore bientôt. Parce que les nouveaux ministres, là, c'est leur politique. Ils vont vous enlever tous. Les Bogolas sont venus, ils vont faire leur gouvernement. Les Faya Bruno sont venus. Baouri est venu. Tous les gars de Gomu, il va les enlever. Comment un pays peut se développer comme ça? Dans cette pagaille. Un pas en avant, 10 pas en arrière. Donc, je vais vous laisser la famille. En tout cas, Conakry, vous avez montré vraiment la différence ce soir. Ah, ya. On dirait que vous attendiez. Hein? Bon, je vous ai dit, c'est la pression qui libère. Hein. Le Sénégal, vous voyez, la pression. Ousmane Sonko, hein? Bassirou Ndiomaye Faye, ils viennent d'être libérés. Hein. Seule la pression libère. Vous avez vu la pression des Sénégalais, Macky? Voilà. J'ai dit seule la pression libère. Seule la pression. Seule la pression libère. Merci le peuple de Guinée à Idam Edola et Alakabo. Alakabo. Si tu ne sors pas le matin pour aller chercher à manger, Alakabo, Dieu est grand. Nimi Wurika Koke, Alakabo. Ala koki yere ma deme, adi ma deme. Ono yete mali, ala oma lima nananfare. Afany kira fanyima. Mais moral ou les couilles des bandits, ces vauriens, ils vont continuer à nous tromper. L'armée guinéenne, MSP, Claude Pivi, Couplan, Vernis Pivi, on a d'aide au préparé, on a fait fera, dit bandit est en a qu'il mout en koma qui en a ou araba. Vous avez le soutien du peuple, l'armée guinéenne. Vous avez le soutien du peuple. Et cette division qui est là-bas, pour dire, ah, un peul, un malinqué, un soussou, un forestier, tant qu'on en a qui, la Guinée Moussirama Dede, l'armée guinéenne, Naran Fissa Obirimbe, celui qui est capable, celui qui peut rassembler, qui peut bien faire pour les Guinéens, choisissez-le. Affaire de peul malinqué, c'est du blabla, c'est du tralala. Aujourd'hui, il n'y a pas le courant. Est-ce qu'il y a un quartier, on va dire, c'est les forestiers ou bien les soussous, les peuls, les malinqués? Non. C'est tout le peuple de Guinée qui souffre aujourd'hui. Le prix du pain. On a besoin d'un bon Guinéen. Un bon Guinéen capable. Un bon Guinéen capable d'aider le pays. Mais pas une affaire de communauté. C'est pourquoi je dis tous ceux qui sont dans l'esprit communautaire. Kala, c'est-à-dire, Ibiringa Fara. N'est-ce pas une mentalité communautaire. Ibiringa Fara. La Guinée Rassigayari. Regardez les autres pays, communauté créée, langue créée, falama denaga, bé Amérique bé. C'est le français, c'est l'anglais on parle. Même si l'espagnol c'est la deuxième langue, mais c'est l'anglais, tout le monde. Donc, étant à combat bérin, c'est de favoriser le nationalisme. Mais moutangoy, c'est favoriser l'ethnie chaque fois. Ah, si c'est pas notre ethnie, ah, ils sont contre notre ethnie, ah, la nomination, il y a, voilà, on n'est pas nombreux. Tant qu'on est dans ça, on n'ira nulle part. Même si c'est une ethnie qu'on prend en main. Mais l'essentiel, le travail, le résultat, c'est ce qui compte. Même si l'équipe nationale du Sili, on prend une ethnie, on met dedans. Et s'il gagne, c'est ce qui est important. Mais tant qu'on est là, à dire, ah non, 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 tu vas prendre quelqu'un de ton ethnie qui ne vaut absolument rien, on le met là, il n'apporte rien. Même à ta communauté, à plus forte raison, à la Guinée. Et c'est ce qui est en train de nous détruire aujourd'hui à petit feu. Même si on a la force aujourd'hui de faire dégager ces bandits, tant qu'on a le problème communautaire en tête, oui, non, on ne veut pas d'Alpha Condé, oui, non, on ne veut pas de Selou, oui, non, on ne veut pas de Sidia, on ne veut pas de tel, voici tout le problème de la Guinée. Sinon, des vauriens comme ça ne peuvent pas rester à la tête du pays, être arrogant en plus. C'est le pouvoir du peuple. Là, ça n'a compté avec tout son... C'est-à-dire, père à son âme, il avait tout ici. Mais le jour que le peuple de Guinée a décidé, même la Basque, d'abord, Kaloum d'abord, eux, ils n'ont pas dit que l'ancien compte est sous. Kaloum, tout le monde, toute la Guinée s'est levée à un moment donné pour dire trop, c'est trop.
C'est là l'ansana Kouyaté avait été nommé, non? Donc, na etini fe, mouganana ba mourouni. Etini fe. Etini fe. Bonne nuit à tout le monde, la famille. On est ensemble. Le combat continue. Prions pour notre belle Guinée. On dit ça tire partout. Voilà, tu vois, les gens, même pour faire la prière, Nafla ce soir, c'est tout un problème. Toi, tu es à la mosquée, tu es en train de prier le bon Dieu. Pendant ce temps, les bandits sont en train, ça dit, Bala Samoura fait sortir ses escadrons de la mort. Ça dit, ça tire. Vous pensez que ça, là, vous allez continuer à intimider le peuple? Vous avez acheté des blindés, des armements. Au lieu de faire des projets de société pour le peuple, non. De construire des hôpitaux, non. Vous pensez que ces armements-là, ça nous effraie? Vous pensez que ces tirs-là, ça va effrayer le peuple toujours? Bala Samoura, Allah Djamfadi Dual Bedar. Votre trahison, là, vous allez avaler tous. Albraye, bi, présal fakonde, ou le tofola, aloube, molukal makal be fouyante. Bounya ou le kokabi, kuno al kalamaloya, mais biale la yerene. Seyd Naïssa, Jésus-Christ, il a été crucifié. Mais après, jusqu'à présent, chrétien, toujours prie pour Jésus. Dans le Coran, Seyd Naïssa, on parle de lui. Donc c'est pour vous dire, quand Dieu veut là, personne ne peut arrêtez ça. Si Dieu décide là, on vous a conseillé ici, vous n'avez pas compris. Maintenant, vous payez. C'est-à-dire, vous voulez détruire Seloudale. Vous voulez détruire Sidia. Détruire tous les gens du RPG. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, il n'aime pas l'injustice. Vous allez tout faire. Vous n'allez pas réussir. Vous allez tout faire. Vous allez tourner. Mais ce que Dieu veut là, à Ketaoli. Je vous ai dit, il fallait Mamadi Doumbouya pour que les gens comprennent que le monsieur là, il ne parlait pas. On l'insultait, on disait tout. Il n'a jamais répondu. Il n'a pas mis un opposant en prison, le président Fakonde. Dieu a dit non. Pour solutionner, il faut que le président Fakonde quitte. Tant que le président Fakonde ne quittait pas, il y a des gens qui n'allaient pas comprendre que ah non, ce monsieur là, il travaillait. Ça, c'est le travail de Dieu. Il n'est pas mort le jour du coup d'État. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu encore, il est aujourd'hui en Turquie. Bien logé, bien nourri, bien soigné. Vous avez vu sa photo, le jour de son anniversaire. Tout ça, c'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Le 5 septembre, qu'est-ce qu'on n'a pas chanté, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Les photos du président Fakonde. Hein? Où se trouve aujourd'hui? Où se trouve aujourd'hui? Il y a l'autre là, Kone Youssouf qui dit, un mouvement Ali Baba doit quitter le pouvoir. Hein? Les photos, les images du président Alpha Condé du 5 septembre. Où se trouvent ces images? J'ai dit, le temps est le meilleur allié. Je vous ai dit ça depuis longtemps. Mais la vérité est là aujourd'hui. Allah, Dieu. Eko, kana mobal la maloyanya koro, kodanka la nou koka, kamberim balou solou. Kwanye, que nous on va s'asseoir, on va humilier ces personnalités. Des fois, je m'assois seul. Je n'ai jamais côtoyé ces gens. Mais je m'assois seul, je pleure. J'ai dit, matin, qu'est-ce qui arrive à mon pays? Ça dit, je me dis, est-ce que ce peuple-là vraiment réfléchit? On voit, on prend des bonnes personnes, on les traite de voleurs, on les met en prison. Le peuple assis. Et nous savions que non, ces bandits, ces gangsters, c'est des vendeurs de drogue, c'est des gens qui n'ont pas étudié, c'est des gens qui n'ont pas de niveau, c'est des gens qui ne peuvent rien apporter à la Guinée. On est assis. Depuis l'arrivée du CNRD, ni Troya te flaye, la Guinée, Kaloubra Troya et Alnyala. Ni la maloyalité de flyer, Anamobal Barala Maloya. Ni Kokronke, ces conneries qu'on est en train de faire, et nudité ou quoi. Ça, c'est dans tous les pays. Mais pour humilier des personnalités comme ça, ou des conneries, c'est tout, c'est parce que ces bandits-là sont là. Il n'y a pas de justice. C'est des choses qu'eux-mêmes, ils encouragent. Mais, Alara Moumali, Biring. C'est que deux jours seulement de Ramadan, bénédiction nous nasse. Mereyati, hakena minifé ma doidoi. Les gens vont maintenant, au barato. Maintenant,
konori o betis ne vera bama o bara biriluna ona ka fo Allah. Vous priez maintenant. O belagatima ala alabe. Ala ramu mali. Ala ramu mali. Otona falama. Wallahi nana mu malima. Di les 30 jours. On nous a gêné. O belagati alabe. Mamadi dumbuya sigamane. Finkariat mubulama. Naga aga petit. Population nan kelima wafala ade de mumuno masono. E fadi bandi soko mube sono. Bonne nuit à tout le monde. Le combat continue, on est ensemble. Merci.